Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous suivez vos cours chez vous, en sécurité. Et surtout, surtout, ne sortez pas jusqu'à la fin de cette période de propagation de cette épidémie. Et n'oubliez pas de vous laver vos mains le plus souvent possible. Merci d'écouter les conseils de votre maîtresse Najwa, qui vous aime et qui espère qu'il ne vous arrive aucun mal, ni à vous, ni à l'un de vos proches. La leçon d'aujourd'hui sera consacrée à la lecture du texte de la page 92 de votre livret d'activité, Le voyage de Lulu. L'objectif, c'est lire un texte narratif et prélever les informations pour formuler des réponses à des questions. On va commencer la première séance par une lecture, une observation des images. On va commencer la lecture. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Le voyage de Lulu. Marie-Lulu est un petit garçon. Il habite dans le désert. Chaque jour, il garde le troupeau de chèvres de sa famille. Un matin, il entend un petit cri et découvre un oiseau minuscule. « Que fais-tu là ?» demande Marie-Lulu. « Et comment t'appelles-tu ? » « Je m'appelle Lulu, » répond l'oiseau. Et je cherche la forêt. Sais-tu où il est ? Marie-Lulu est étonnée. Qu'est-ce qu'une forêt ? Demande-t-il. La forêt, c'est un endroit où il y a des arbres, répond Lulu. Tu le sais bien. Je connais un endroit où il y a trois palmiers, dit Marie-Lulu. Trois palmiers, ce n'est pas assez. Pour une forêt, répond l'oiseau. Il faut combien d'arbres ? Demande Marie-Lulu. Des centaines, répond l'oiseau. Et tous différents. Marie-Lulu pense que Lulu raconte n'importe quoi. Maintenant, il faut que je parte, dit Lulu. Il veut s'envoler, mais il est trop faible. Tu ne peux pas partir, s'écrie Marie-Lulu. Tu dois reprendre des forces. Le garçon donne à manger à Lulu. Je me souviendrai toujours de ta gentillesse, murmure l'oiseau. Si un jour tu viens dans ma forêt, nous la visiterons ensemble. Le soir arrive, Marie-Lulu remet l'oiseau dans sa poche et rentre chez lui. Marie-Lulu a peur de montrer Lulu à toute la famille. Ils voudront sûrement le toucher. Après le repas, Marie-Lulu va se coucher. Il met Lulu sur le lit à côté de lui. Marie-Lulu rêve. Il traverse le désert, puis la grande mer dont a parlé Lulu. Il découvre la côte, les fleuves, les villes et les villages. Marie-Lulu s'approche enfin de la forêt. Un texte de Christian Lamblin, Le voyage de Lulu, colle un monde à lire CP édition Nathan 2004. Alors maintenant les enfants, après cette lecture magistrale, je vous demanderai de bien relire votre texte une, deux, même trois fois. Et n'oubliez pas de souligner les mots qui vous semblent difficiles et de les expliquer sur votre dictionnaire. On va passer à la deuxième séance pour répondre aux questions de compréhension. Alors, lisez avec moi les questions de compréhension. Qui sont Lulu et Marie-Lulu? Qu'est-ce qu'on a dit en classe? D'abord, pour répondre aux questions de compréhension, pour répondre à une question, il faut d'abord enlever le mot interrogatif, inverser s'il le faut le sujet et le verbe, enlever les ponctuations comme le point d'interrogation et écrire une phrase correcte, bien sûr, qui commence par une majuscule et se termine par un point. Où est-ce qu'on cherche les réponses des enfants? Bien sûr, dans le texte. Il faut chercher le paragraphe qui contient la réponse. D'accord? Alors, pour cette question, qui sont Lulu et Marie-Lulu? Je lis le texte doucement et je cherche qui est-ce Lulu et Marie-Lulu. Marie-Lulu est un petit garçon. Voilà, c'est clair. Voilà la réponse. J'ai trouvé la première réponse. Il habite dans le désert. Chaque jour, il garde le troupeau de chèvres de sa famille. Un matin, il entend un petit cri et découvre un oiseau minuscule. « Que fais-tu là ? » demande Marie-Lulu. « Et comment ?»
comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Lily, répond l'oiseau. Alors ça, c'est la réponse de notre question. Lily est un petit oiseau. Très bien. On passe à la deuxième question. Où vit Mallory ? De quoi s'occupe-t-il ? Alors, où vit Mallory ? Il vit, cherchez dans le premier paragraphe, la première ligne. Il habite dans le désert. Très bien, donc il vit dans le désert, il habite. De quoi s'occupe-t-il ? Continuez la lecture. Chaque jour, il garde le troupeau de chèvres de sa famille. Alors, il s'occupe des troupeaux de chèvres de sa famille. Et voilà la réponse. Question numéro 3. Que cherche Lily ? Alors, Lily, c'est l'oiseau. Qu'est-ce qu'il cherche ? Donc, après qu'il a dit « Je m'appelle Lily », qu'est-ce qu'elle a dit ? Je cherche la forêt. Voilà, je cherche la forêt. Donc, Lily cherche la forêt. Très bien. Est-ce que Mallory sait ce qu'est une forêt ? Ce qui est une forêt. Est-ce que Mallory, il sait qu'est-ce que c'est une forêt ? Cherchez la réponse. Relève dans le texte ce qui le montre. Alors, on va lire. Mallory est étonné. Étonné, c'est-à-dire surpris. Pourquoi ? Parce qu'il ne sait pas qu'est-ce que c'est qu'une forêt. Elle va dire, qui est-ce qu'une forêt ? Il demande Mallory. Voilà, donc il ne sait pas qu'est-ce que c'est une forêt. La forêt, c'est un endroit où il y a des arbres, répond Lily. Tu le sais bien. Je connais un endroit où il y a 3 palmiers. Ça, c'est, à votre avis, qu'est-ce que c'est l'endroit qui contient 3 palmiers ? Vous savez la réponse ? C'est l'oasis dans le désert. Il se trouve des oasis qui contient 3 palmiers. On les appelle les oasis, dit Mallory. Alors, 3 arbres, ce n'est pas assez pour une forêt, répond l'oiseau. Donc, question numéro 5. Pourquoi Lily n'arrive-t-il pas à continuer son voyage ? Justifie ta réponse. Alors, Lily, il voulait partir. Allez-y, lisez avec moi. Maintenant, il faut que je parte, dit Lily. Il veut s'envoler, mais il est trop faible. Alors, voilà la réponse de cette question, parce que Lily est très fatiguée. Il est faible, il ne peut pas s'envoler. Numéro 6. Que promet Lily à Mallory pour le remercier de sa gentillesse ? Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Mallory, à Lily ? Alors, Mallory, il trouve que l'oiseau est faible, donc il a besoin de reprendre ses forces. Qu'est-ce qu'il lui a donné ? Le garçon donne à manger à Lily. Et qu'est-ce qu'elle a dit, Lily, pour le remercier ? Voilà la réponse. Il lui a dit, je me souviendrai toujours de ta gentillesse. Si un jour tu viens dans ma forêt, nous la visiterons ensemble. Donc voilà la récompense. Il va lui faire visiter la forêt. Est-ce que Mallory montre Lily à sa famille ? Pourquoi ? Alors le soir venu, Mallory cache Lily dans sa poche à côté de son lit. Pourquoi ? Voilà, parce qu'ils voudront le toucher, parce que sa famille voudrait le toucher. Parce qu'ils vont lui demander, qu'est-ce que c'est ? Montre-moi ton oiseau. Voilà, il le cache. C'est pour cela qu'il le cache. Est-ce que Mallory montre Lily à sa famille ? Non. Il dit pourquoi ? Parce qu'ils voudront le toucher. Question numéro 8. À quoi rêve Mallory ? Alors le soir, Mallory, il rêve. Continuez la lecture. Il traverse le désert, puis la grande mer dont a parlé Lily. Il découvre la côte, les fleuves, les villes et les villages. Et après, il s'approche de la forêt. Donc tout ça, c'est les réponses de la question numéro 8. Très bien les enfants. Maintenant, prenez votre cahier de maison et vérifiez si vous avez bien répondu à vos questions. Voilà. Très bien. J'espère que vous avez bien répondu. Je vous laisse un petit exercice. Dans ce texte, entoure les homophones suivants.
s'il y en a en avec on, en avec ont, son avec son, son avec sont, a sans accent, a avec accent, et avec et, et avec est. Donc tous les homophones que nous avons étudiés au cours de l'année, cherchez dans votre texte et entourez-les s'il y en a. Très bien. Merci d'écouter les conseils et je vous souhaite une agréable journée et n'oubliez pas, restez chez vous, à la maison, en sécurité. Au revoir et à bientôt.